Mes longs cheveux, mais ça me... Je suis choquée. Vous imaginez pas comment ça me fait plaisir de voir ces vidéos. Et ça doit faire... Alors... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous retrouvons pour une vidéo. Je regarde mes anciennes vidéos. J'avais fait ça il y a 2 ans de ça maintenant. Je regardais de quand datait l'ancienne vidéo. Et elle date d'il y a 2 ans. Et depuis cette dernière vidéo, je n'ai pas re-regardé mes anciennes vidéos, sachant que j'ai pas fait toutes les vidéos qui existaient. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? Ça pourrait être cool de regarder ces anciennes vidéos pour voir un peu si on a évolué, quoi. S'il y a eu des modifications, s'il y a des choses qui ont évolué. Sachant que là, je suis en train de voir que sur la chaîne, je me suis inscrit le 28 septembre. 2013, c'est ouf, je me suis inscrite à cette date là et je vais regarder de quand date ma première vidéo pour savoir un peu la date d'anniversaire de la chaîne, puisque j'ai toujours du mal à le connaître. Je crois que c'est septembre, je crois c'est la première vidéo, date de Beyond Two Souls. On va la couper direct, elle date d'octobre, du 5 octobre 2013. Donc non, attendez, 5 octobre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, mais non, 2017, 2018, elle va fêter ses 5 ans le 5 octobre 2018, la chaîne. Oh, c'est incroyable. C'est un truc de malade. Elle va fêter ses 5 ans le 5 octobre 2018. C'est ouf, il faut que je note cette date, c'est incroyable. Je voulais faire ça justement pour l'anniversaire de la chaîne et je me suis dit non, j'ai pas envie d'attendre ou quoi, j'ai envie de le faire. Donc on va commencer maintenant, je vais regarder mes premières vidéos pour voir un peu. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ont dû changer. La première vidéo, on se rappelle, c'était Beyond Two Souls. Je crois que dans la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, celle que je regardais dans un premier temps. On va la regarder. Allez, on va regarder un tout petit peu, ça me fait... J'ose pas cliquer parce que ça me fait hyper bizarre de regarder ça, en fait. Allez, c'est parti. Je tiens à m'excuser. Le Elgao avait eu un souci. Bon, il y avait quelques fautes. Bon, on t'en veut pas, ma Kiki. On enlève les annotations, on regarde. On va voir la qualité du micro et tout, la... Et là, j'avais pas encore la cam, je ne faisais pas de facecam. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la démo de Beyond Two Souls. Malheureusement, je voulais faire le multi de GTA, mais Rockstar a quelques soucis en ce moment et ils avaient mis un patch hier. Je me suis dit, bah super, ça remarche, mais en fait, non, ça remarche pas du tout. Donc aujourd'hui, on se retrouve au Beyond Two Souls. On commence. Pourquoi est-ce que déjà, quand je parle, je fais Beyond Two Souls? Pourquoi est-ce que je prononce Souls? Pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà, Kiki, pourquoi tu fais ça? Ça merde dès le départ. Je me rappelle que j'avais pas du tout un PC puissant, j'avais pas l'ordinateur que j'ai là quand je recordais mes vidéos et je me rappelle que c'était un gros bordel. Le Elgato était pas assez puissant, en fait le PC n'était pas assez puissant pour choper les données du Elgato, ça faisait que de couper, la qualité était pas incroyable. La vidéo était en quelle qualité? Elle était déjà en 720p, mais on voit c'est pas fluide, on voit que c'est pas fluide, c'est pas ouf, les rendus c'était pas le top du top, c'était ouah, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Je parlais pas beaucoup du tout, j'étais beaucoup Bah dis donc, je parlais pas beaucoup, ouais. On va voir. J'étais pas quelqu'un apparemment qui parlait beaucoup au départ, alors que maintenant je blablate non-stop. Ouais, en fait... Vraiment tout... Ça suffit. Ouais, vraiment, je jouais et je faisais vraiment un let's play, quoi. C'était un petit peu comme ce que je peux faire peut-être en live. C'est de parler de temps en temps, mais sinon t'es focus sur le jeu, quoi. Oh, ça fait bizarre. J'avance un peu pour voir. Je parlais pas trop. Normalement, si tu fais vraiment, ils arrivent à t'arrêter, ils te mettent dans un compartiment en fait, et tu dois t'en échapper. Et là, c'est chose qui n'est pas arrivée. Ah, ok, je parlais des, je pense, des choses qui auraient pu arriver dans Beyond Two Souls. Ok. Donc, je parlais pas beaucoup. On va regarder d'autres vidéos. Il y a une Little Big Planet, bah celle-là j'avais vue déjà il y a 2 ans, elle était avec X, Among the Sleep, un jeu d'horreur, mois spécial Halloween. C'est vrai que j'avais fait un mois spécial Halloween, mais malheureusement j'avais pas pu le tenir parce que j'avais pas du tout la fibre comme j'ai maintenant. De toute façon j'avais une connexion de merde, vraiment pourrie la connexion, et ça allait pas du tout, et mon PC ne tenait pas la cadence pour les rendus, c'était une catastrophe, je pouvais pas. Une petite vidéo, c'était des heures et des heures. Eh bien salut, c'est Kimera, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal en ce dimanche. Eh, ça va plutôt pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve. J'ai l'impression que ma voix a évolué, j'ai mué ou quoi? Pour le moment. J'aime bien ma voix là, que j'entends. Comme vous le savez, on approche d'Halloween petit à petit, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un mois spécial Halloween. Donc je me suis dit bah, que là, le micro que j'avais, c'était mon casque Gamecom, un Plantronic. Je me rappellerai tout le temps. Et franchement, c'était pas mal.
C'était pas mal de ce que j'entends. J'aimais bien ma voix, j'ai l'impression que ma voix a mué. Est-ce que maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une voix beaucoup plus grave maintenant quand je parle. Alors qu'avant, Krillbit Studio. Alors qu'avant, j'ai l'impression d'avoir une voix beaucoup plus petite en fait. Donc la chaîne a quasi 5 ans, donc là, en fait j'avais 19 ans, ouais c'est ça, j'avais 18-19 ans, en fait, j'avais 18 ans. Jeu, en fait, on incarne un bébé. Bon, là. Et c'est, j'ai adoré ce jeu en fait parce que je me suis dit ça change un petit peu au lieu d'incarner un grand avec une torche et ceci cela, là on incarne un enfant. Ouais, c'est pas mal. Ça change un petit peu. Vas-y, on va voir, on va se lancer. D'accord. Ouais. Alors je crois que j'enlevais pas le flou gaussien, non. Je crois que je faisais pas clic droit désactiver le rééchantillonnage. Quand on n'enlève pas le rééchantillonnage, ça crée un effet de flou en fait sur les vidéos. Est-ce qu'on peut se... Ouais, on peut se relever. Toi, paye ton stress, quoi. Bon, cette vidéo est terminée, mes petits loups. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas par commentaire à me dire si vous avez envie que je fasse un Slender. Ah bah attends, c'est mon petit Michel. Je connais pas trop de jeux d'horreur, donc n'hésitez pas t'en connais, je le dis. À me dire et puis je regarderai. J'espère que cette vidéo, pardon, là vous savez, je suis en train de bégayer, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça, c'était horrible. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou ma page Twitter pour regarder tout ce qui est les actualités en rapport avec mes vidéos, si je vais en faire demain, après-demain. N'hésitez pas. Je vous remercie, vous êtes désormais, je crois, un peu plus de 500 à me suivre et je vous remercie vraiment, c'est vraiment énorme. 500 Alors que ma chaîne, elle a que une semaine et quelques, donc c'est vraiment énorme. Waouh. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très très bonne semaine, mes loulous. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Alors, ciao, il est resté. Par contre, incroyable. La chaîne, elle avait une semaine. C'est un petit bébé. Elle était qu'à 500. Elle était qu'à 500, quoi. 500 abonnés. C'est incroyable. C'est un tout petit bébé. Waouh. C'est ouf. C'est ouf. Salut les loulous, c'est Kilira. Mais cette voix. Mais j'ai mué. On est d'accord. J'ai mué. Dites-le moi dans les commentaires. Pause. Dites-le moi dans les commentaires maintenant. Vous faites pause sur la vidéo. Au pire, vous mettrez après. Est-ce que ma voix a mué? J'ai l'impression d'avoir une voix, pas une voix de bonhomme, mais j'ai l'impression d'avoir une voix beaucoup plus grave que ce que j'ai maintenant. J'ai l'impression que ma voix a totalement changé. Alors, est-ce que le micro, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'avais 18 ans, la voix était encore assez fraîche, tu vois, alors que maintenant, tu commences à taper dans la vieillesse, c'est foutu. Je sais pas. Juste pour vous demander, s'il vous plaît, de baisser votre casque. Juste pour demander de vous baisser. Très vite, comment je parle? Vu que j'ai eu peur durant cette vidéo. Vu que j'ai peur, j'essaie de parler pareil. Sursauter et parfois j'ai pas mal sursauté et vos petites oreilles. Je sais pas, j'arrive pas à faire pareil. Bien, je vous préviens d'avance, baissez le son de votre casque et je vais vous laisser sur la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Si oui, demandez-moi une partie 2. Ok, j'avance pour voir. On se calme. Waouh, j'avais mes longs cheveux. C'est pas comme si il y avait un mec qui courait après en pleine forêt. Pour te buter, hein? C'est pas comme si c'était ça, tu vois. J'avais des longs cheveux, ils étaient encore plus longs que ce que j'ai là. Là, je les laisse pousser justement. Ils étaient beaucoup plus longs, j'avais un tie and dye, j'avais le bas des cheveux blonds. Putain, c'est vieux. J'avais déjà mon tatouage, ce bras-là. J'avais déjà. Lui, il reste, il bouge pas, il reste. Ça fait bizarre de voir ces vidéos, ça fait trop bizarre. J'ai envie de faire une. Là, quand je vais me faire rattraper. Par là. Je vais voir là. Si c'est mieux de passer par là. C'est mieux. Vous voyez pas, j'avais une mèche dans mon visage. Voilà, vaut mieux passer par là, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est plus sympa, c'est rien. Voilà, on va aller vers cette verdure là. Oui, on va passer vers cette verdure là. Plutôt, non, Ben, on va. On va longer par là. On va longer par là, tout simplement. On va longer. Oh, je veux pas me lâcher là. Oh non. Je m'étais fait attraper. J'ai les mains. Je sais pas si vous pouvez voir les. Non, je pense pas. Là, je sais oh pas mon des stalkers, mon rasoir des stalkers, non on voit pas, tu leur as fait que tu décales un peu. Moites, putain, c'est affreux. Ça change pas, à chaque fois que tu joues un jeu d'horreur, t'as les mains moites, ça change pas, Kiki, ça reste sur la génétique. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première. Waouh, putain, ça fait bizarre, ça fait bizarre. J'écoute, je vais écouter ce que je dis. J'ai eu peur. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur un Slender. J'ai pas. Alors j'ai toujours gardé les mêmes joues quand je rigole ou des trucs comme ça. Voilà, toujours pareil. Je sais pas, j'essaie de regarder. Je pense que vu que vous êtes des gros sadiques et que vous aimez ça me voir gueuler, je pense que vous allez dire oh ouais, faut que tu fasses une nouvelle vidéo. Donc, c'est beau. Mais en fait, je sais ce que je suis un peu émue. Je vais vous dire pourquoi. Le son durant la parce que c'est le début. Vous aussi, vous soyez dans l'ambiance. C'est le début de la chaîne.
Et même pense si que j'ai pas un nombre d'abonnés genre de 100 000, 200 000, ça j'en ai rien à foutre. C'est beau de re-regarder ces anciennes vidéos, je trouve que ça laisse une très belle trace. Et du coup, de voir ce qui a amélioré, ce qui a changé sur la qualité des vidéos, voir l'évolution, ce qui reste encore à améliorer. Incroyable. Ça m'émeut. Tourne au menu, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode sur Slender The Arrival vous aura plu. Dites-moi si vous avez c'était totalement envie décalé. De partie 2. Quand je parle et la vidéo était totalement décalée. Je me souviens que je recordais le micro pas avec Audacity, mais avec le logiciel Logitech Webcam. Et du coup, en fait, vu que mon PC, le CPU, ça allait pas du tout, il désynchronisait tout en fait. Tout le logiciel buggait, ça désynchronisait tout, je pouvais rien faire. Je suis totalement stressée, donc je perds mes mots et tout. Et en fait, même au début, au début de la vidéo, je me rappelle, c'est bien calé, c'est bien. Et après, ça se déphase, en fait. C'est plus du tout calé à la vidéo. Et en fait, après, ça se recalait, ça se redéphasait, ça allait dans tous les sens. Donc j'espère que cette petite vidéo, les petits loups, vous aura plu. Donc je vous fais de gros, gros bisous. Passez une très, très bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, je faisais ciao avant, je faisais ça. Oh putain, trop drôle, alors que maintenant, je fais pas pareil. Oh, trop drôle. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme vidéo? J'ai envie de regarder Assassin's Creed Black Flag. On va regarder un tout petit peu. Eh bien, salut mes loulous, c'est Kilira et aujourd'hui, on se retrouve pour... Oh mon Dieu, Assassin's Creed Black Flag. Mon Dieu, j'adore ce Mais moi, franchement, j'étais trop heureuse pour un rien. Enfin, je crois que ça a pas changé. C'est juste que je le dis différemment. Et là, je suis trop, trop contente. Alors comme vous voyez, j'ai déjà lancé une partie, mais 3%, donc je suis pas allé très très loin. N'essayez pas de m'ajouter sur la Xbox, c'est l'Xbox plutôt de mon père et tout ça, donc c'est pas mon compte avec ouais. lequel je joue. C'est vrai que c'était pas ma Xbox, c'était pas la mienne, c'était la... J'étais sur la 3.6, c'était celle de mon père. Alors... Et du coup, bah, je pouvais pas, enfin, les ajouts et tout, c'était même pas la peine, quoi. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Eh, déjà la politesse, hein, Kiki, hein. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, nanana. Franchement, déjà ça allait bien là. Little Big Planet, mais non. Attendez, j'ai la cam ou pas? Oh la vache. Bam, stop. Cette introduction, c'est l'une des premières introductions qu'il y a eu sur la chaîne. Non, c'est qui les... Oh, mes cheveux. Mes cheveux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour du Little Big Planet. Mais pas n'importe quel Little Big Planet, puisqu'il s'agit de... Du DLC, plus exactement. J'étais belle. Little Big Planet DC Comics. Et la meuf. Tu sais, elle analyse plus sa vidéo, elle déprime. Mais j'étais belle. J'étais bien, là. J'ai l'impression que je suis moins... Bouboule. Je fait les tenues avant qu'on... Et j'ai l'impression que j'avais moins une coupe de merde, hein, parce que là, bon, là, ils sont plus courts. J'en ai plein. Oh, c'était mon ancienne chambre, c'était encore chez mes parents. Ma peluche Monsieur Jack Stitch que j'ai toujours. D'ailleurs, j'ai Harley Quinn. Les posters Harry Potter, je les ai plus, ils sont pour le moins chez ma belle famille. C'était mon ancienne chambre, c'est incroyable. C'était mon ancienne chambre, c'est ouf. Celui-ci. Ah, et j'ai acheté celui-ci aussi. J'ai tout, mais dans les vidéos, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir un comportement... Bon, j'avais aussi 18 ans, voilà, c'était le début de la chaîne. J'étais... moins professionnel, ce qui est normal puisque c'est un début de chaîne, ce qui est totalement normal et je considère toujours pas que je suis hyper professionnel ou quoi que ce soit, attention. Les temps de chargement sont toujours aussi. Mais je suis très posée, je suis un peu fofolle, mais léger, voilà, sans plus. Je suis beaucoup moins vulgaire par contre. Et là, je m'en aperçois. On a le temps de discuter, vous voulez un café? Un thé? Là, faut vraiment, je le dis à partir de maintenant. Je vais essayer d'être moins vulgaire. Parce que j'ai remarqué dans certaines vidéos que je suis pas mal vulgaire. Il y a beaucoup de putain et j'en passe qui passent. Et c'est hyper spontané, moi ça part direct comme ça. C'est vrai que dans les vidéos, des fois ça me dérange. Et je trouve pas ça beau. Enfin, de dire ça. Enfin, dans les vidéos, je trouve pas ça top. Donc je vais essayer de faire des efforts. Je tenterai maintenant, au lieu de dire putain, de dire carotte ou bien fougère ou bien autre chose. J'essaierai de trouver d'autres mots. Dites-moi dans les commentaires des mots que je pourrais dire justement en cas d'insulte. Des petits mots qui resteraient. Et j'ai dit d'autres petites têtes. Mes longs cheveux, mais ça me... Je suis choquée. Je suis choquée. Vous imaginez pas comment ça me fait plaisir de voir ces vidéos. Et ça doit faire... Alors, pour ceux qui m'ont suivi depuis le tout début, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont suivi depuis le tout début. Vraiment le tout début. Et il y en a, ces vidéos-là, ça leur fait un petit peu comme moi. Ils sont en mode, oh ouais, putain, mais je m'en rappelle. Et c'est ouf. Vous savez que j'essaye de retourner à la même longueur que ça. J'essaye, hein. C'est pas évident, mais on est bien. On tient le truc, et c'est pas facile, hein.
J'avais une longueur incroyable. La meuf, regarde que ses cheveux, non. Non, mais franchement, c'était ouf. Non, je veux tout ramasser. Oh, merde. Je voulais tout ramasser, quoi. Little Big Planet, c'est... je vais pas vous mentir, j'ai acheté la... Enfin, quand j'ai eu la PS3, principalement, j'ai voulu l'avoir pour Little Big Planet. Parce que c'est un jeu que j'adore. Je l'ai fait aussi sur PS4 avec X. C'est un jeu que j'adore. J'adore, je passe un bon moment, toujours avec les petits Sackboy. Ah, encore, gueule, pour hein. moi, c'était très bonne vidéo, plus quoi. Fort que toi, je te dépasse. Waouh. J'avance un petit peu pour voir. Attends. Attends, mon petit coco. Non, ouais, j'étais vachement calme. J'étais très calme. Alors maintenant, je suis beaucoup plus énergique. Et des fois, j'aimerais même me calmer. Mais je suis très énergique maintenant. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Je pense que c'est avec le temps, à force. Pour la deuxième partie du DLC de Little Big Planet. Ciao, mes petits loups. Ouais, putain, mais c'était aussi en temps qu'il avait fait ça. Ça date. Vidéo précédente, je m'en rappelle. Et à l'époque... À l'époque, on avait... À l'époque, putain, c'est bizarre de dire ça, mais je suis fière de savoir que la chaîne a 4 ans et qu'elle arrive quasi sur ses 5 ans. Je suis d'une fierté. Putain, vous imaginez pas comment je suis fière. De me dire que j'ai rien lâché ou quoi que ce soit, j'ai toujours continué, j'ai toujours été autant passionnée. Et ça me... Putain, ça m'émeut. Bordel. Bon. Ça m'émeut. Putain de merde, qu'est-ce que ça se... Reprends-toi, Kiki. On se reprend. Donc, du coup, ouais, la chaîne, là, elle est vieille maintenant. Et du coup, de voir ça, ça fait hyper plaisir. Et à l'époque, donc, oui, il n'y avait pas ce système d'annotation. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas le système, maintenant, les encarts que vous voyez, le logo apparaître, s'abonner, vidéo précédente, prochaine vidéo, enfin, vidéo aléatoire. Il n'y avait pas ce système-là, en fait. Avant, on faisait des encarts nous-mêmes, on mettait le lien, et la vidéo, elle était incrustée dans Sony Vegas. Il n'y avait pas la vidéo déjà toute faite avec l'extrait et tout, enfin, avec l'image. C'est incroyable. Nouvelle aventure commence, ça c'était Kanto, notre première aventure ensemble sur... oh là là, l'intro trop fort qui te pétait les oreilles. Ma première Yo, vidéo. Salut à tous, c'est Anto, AKAES, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Ah, sa voix l'a tellement changé. Donc l'épisode 1, c'est la nouvelle. D'ailleurs, on peut suivre, alors actuellement vous pouvez le suivre en live. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos si vous voulez, vous pouvez le suivre en live. Il a, vu que maintenant on a la fibre, il peut faire des lives. Parce qu'avant, voilà, quand le peu de connexion qu'on avait, c'était moi qui passais en première, quoi, on va dire. Et maintenant, c'est lui, il en fait aussi. Et là, on est actuellement sur The Forest. Samedi, il y a l'ending qui claque de The Forest, en fait. Pour ceux qui ont suivi, j'ai toujours adoré The Forest. Et moi, je suis fan de The Forest. Et là, il y a une nouvelle ending, apparemment, de The Forest. Et avec Anto, on est en train de la faire. Donc, le but, en fait, c'est de rush un maximum de cavernes. Le plus vite possible, le maximum de caves, récupérer le maximum d'items pour aller faire cet ending. Puisqu'on connaît le jeu dans sa globalité. Vous voyez juste Eragon. Bon, c'est fait exprès d'être écrit comme ça, on expliquera plus tard pourquoi. Eh ben, je te laisse te présenter. Bon, on n'attend pas Patrick. Salut tout le monde, c'est qui Vera. Donc, ouais, de toute façon, je pense que tout le monde t'avait reconnu à ta voix. Hein. Ah bah. Parce que je pense que ta voix est beaucoup plus connue que la mienne pour le coup. Je sais pas, on va couper. Oh, par là, ça date. Ouais, je te suis. 4 Mario. 4 Mario, c'est la première vidéo qui m'a donné envie de faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire plus spécialement le let's play. Quand j'en fais, c'est je fais des let's play de temps en temps. Mais c'est maintenant, c'est plus en live. Je vais pas mentir, maintenant j'ai la fibre et tout, je fais ça en live. Apparemment rager. Mais là, c'est la première vidéo qui m'a donné envie de faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire qu'avant, j'adorais ce que je faisais, mais je faisais beaucoup de let's play, des vidéos non montées entre guillemets. Celle où tu cut le début, tu cut la fin. Voilà, c'est bon, terminé, intro, trop fin de l'histoire. Cette chanson. Alors que maintenant, déjà, enfin, c'est cette vidéo qui m'a donné envie, c'est parce que j'ai fait un petit peu de montage. Alors, ce qui n'était pas énorme pour l'époque, je vous l'admets. Mais je l'admets, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Ma tête. Wow, je crois que quand je faisais le record, les volets étaient fermés, il devait être l'équivalent de 21h peut-être. Je crois, il n'y avait pas spécialement d'heures. Mes parents étaient cool pour ça, pour mes vidéos, ils n'étaient pas chiants. Ils me laissaient faire mes vidéos tranquillou. Mais Mario. Oh non. Ah, le dégoût, le dégoût. Le dégoût. Et comment je... Et ouais, t'as plus qu'à sauter, ma grande. Ah, ok. Et voilà, et c'est con, mais en fait, le montage, mon premier truc, c'était ça. Enfin, c'est pas grand chose, je vous préviens. Peut-être. On va tenter, on va tenter. Ça, c'était quoi? Attention. Dis-toi que tu... Dès que tu y arrives, c'est que tu sauves un bébé panda. J'ai sauvé un bébé panda. Et il y avait un passage, je sais plus c'est lequel. J'ai l'impression que j'ai pas le retrouvé. Genre de situation. Parce que je me rappelle de ça. Oui.
Dieu. Voilà, et là je faisais des petits trucs à la con, des petits montages, mais tout nul. Oui, et c'est ça qui... Et là je me suis dit, mais en fait je kiffe. Et là, oh, je m'en rappelle. Je m'en rappellerai tout le temps. Et là c'était foutu. J'avais pas les mots. J'étais dégoûtée. Et c'est ce type de vidéo qui m'a donné envie de, bah, de faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire de faire plus de montage, d'accorder plus de montage. Parce que dans cette... c'était la première vidéo où quand je la regardais, j'ai rigolé. Vous voyez ce que sur le montage que j'ai fait. C'est la première où j'ai rigolé. Et je me suis dit, putain, mais c'est fun en fait. Et voilà, du coup, c'est pas resté. Grave. Maintenant, quand je monte mes vidéos, j'essaie de me faire rire. Voilà, si je vois que j'arrive à me faire marrer, je me dis, je peux vous faire rire. C'est de pire en pire. Wouah. Ah ça, je continue de le faire, ça. Quand je tape dans mes mains, je continue de le faire, ça. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Et ça, c'était tout le temps la même chose pour l'ending. Ah non, c'était pour Noël. Attendez, je vais regarder. Prenez soin de vous. Ciao. Là, voilà ce que ça fait quand on désactive pas le rééchantillonnage. Ça lag comme ça. Et quoique, là, il n'y a pas qu'il y a du rééchantillonnage. Ça lagait de ouf. Hein. Wouah. Oh, c'est vieux. On avait World of Warcraft qu'on faisait déjà. Waouh, c'est bizarre. J'ai mal au bide, je crois. Enfin, j'ai mangé un truc, moi. Eh, hey, tu te casses pas en pleine vidéo pour. C'était. On était avec Ray et on faisait du World of Warcraft déjà. Enfin, moi je joue à World of Warcraft voilà, depuis que je suis toute petite. Et là, derrière, la nouvelle extension qui va sortir, Battle for Azeroth. Et quand elle va sortir, Dieu sait que je vais faire que de jouer à ça au mois d'août. Je vais faire que de jouer à ça en live. Vous allez retrouver des grands marathons. D'ailleurs, j'ai une clé pour la bêta là. Et je pense que vous allez retrouver pas mal de vidéos comme ça. Pour un certain problème. En stream. Je t'emmerde. Bah super, il y avait une bonne ambiance. Les meilleurs donjons et raids de World of Warcraft. Restio est attendu à l'accueil. Restio est attendu à l'accueil de la citadelle. Ah merde. Je vais payer plus tard. D'où que tu me dis salutations, toi? Va crever. Le mec qui me voit, il fait salutations. Va crever. La ilus est là, les enfants. Oh non. Putain. C'est vieux. Allez tous vous faire enculer. Faut ta gueule, Bim. Salut petit con. Oh la vache. Ah d'accord, ok, alors on avait fait tout le raid en full musique. D'accord, ok. Ah d'accord, on avait tout fait en full musique. Alors c'est cheap au plus haut point, je suis d'accord, l'introduction est putain de cheap au plus haut point. Mais c'était cool, c'était cool. J'ai pas besoin partout, moi aussi je nique de l'argent. Ah, non. La meuf. Waouh. Ça date. Encore, ça c'était moi qui l'avais fait l'outro. C'était moi qui avais fait l'outro. Oh la vache, ça date. Yeah, excellent, on a eu un best-of. Alors c'est faut regarder. Clair. J'espère que vous allez bien. Et moi ça va très 26 décembre 2013. Le 25 décembre. Et c'est le jour des cadeaux. Ah meuf, c'est le jour des cadeaux. OK. T'es censé voir. J'aimerais tellement faire un best-of de la chaîne, mais vous imaginez pas le temps que ça prend, c'est colossal de faire un best-of de la chaîne. Okay. C'est vraiment colossal. Putain, ça demande énormément de temps, énormément de patience. Après, c'est quelque chose qu'il faut faire limite petit à petit. L'ermite. Ouais, ouais. Bernard. Oh. Qu'est-il? Oh. Oh le vent. Oh le vent. Oh franchement, le créateur là, tu sais où est-ce que tu peux te le foutre ton nuage là? Ah. Ton nuage malsain là, tu sais où est-ce que tu peux te le foutre? Il sert à rien ce nuage à part faire chier les gens. Et tu vas... Allez, on va me dire, mais c'est le but qu'il ira. C'est le but, faire chier les gens, regarde. Oh, c'est le but. J'en avais marre, c'est j'en avais marre. Adieu. Salut. Je me tire de ah je c'était compte, ça, mon petit montage. De Slender. Je me tire. Ça, c'était en horreur. Quand j'avais fait Slender The Arrival. Sur l'horreur, j'avais fait une introduction comme ça. Qu'est-ce que... Je vais vous faire quelque chose de spécial pour le mois de l'horreur. Plus.
Je vais vous faire quelque chose. Maintenant que j'ai la fibre et tout, ça va aller beaucoup mieux. Sa mère la... Bien, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de merde sur Outlast. Donc là, on se retrouve pour un épisode de merde sur Outlast. Sexuel et du langage grossier. Bon amusement. Jusque là, Michel. Tout va bien. Bien évidemment. Oh là. Oh ta gueule, mère grand, hein, ça va pas le faire là. Hein. Ah, ça partait là. Déjà, voilà, la vraie Kylira qui était en train de dormir a commencé à arriver dans les jeux d'horreur. La vraie de vraie. J'en ai marre. Ça suffit maintenant, hein. Le problème, c'est que quand j'ai peur... Oh putain. Oh, la vie de moi, là, j'arrête, hein. Je suis pas capable de me calmer. Putain, j'ai peur, là. C'est la colère qui prend le dessus. Tap. Putain. Raté. Tap. Mais tu te fais ta gueule. Oh, non. Ah, mais putain. Ah, voilà, c'est qui va tourner le plus comme un con, là. Voilà, j'ai le droit d'utiliser le mot putain à plusieurs reprises, ça me fait rire, là. Mais je... Mais sur la vidéo, Oh, le stress. Quand j'angoisse, voilà, ça part en cacahuète. Putain. Ah oui, ça faisait peur quand même, hein. Un peu, hein. Replay. Oh, la gueule. Oh, ça fait trop rire. Quand j'ai eu peur. Pourquoi tu t'approches de moi là? Ça fait un peu bizarre. Non? Non? Recule. Recule. Recule, je t'ai dit. Ah. Oh mon dieu. C'est... Papa? Papa, c'est toi? Papa? Papa? Et après, on commence à rentrer dans le RP. Bonjour daddy. Bonjour daddy. Ah, je me rappelle. Attends, mais c'est même pas lancé. Waouh, c'était rien à voir. Oh merde, là c'est lancé. Chut, ta gueule. Je devais pas faire de bruit parce que j'étais chez ma belle famille, quoi. Donc c'est hyper dérangeant quand t'entends quelqu'un gueuler dans une autre pièce. On va regarder. Allez, on se fait un petit épisode. Je me demande c'est qu'il a. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième partie du Bonjour Daddy. Je me vois avec le bonnet, j'ai chaud. Je me regarde avec le bonnet. Je suis déjà en train de briller tellement j'ai chaud. Comment vas-tu, Anto? Écoute, très bien et toi? Ah, super bien. Attends. Pause. Ah non, j'étais juste avec Anto. Ah non, on va voir. On va avancer. Bien, Billy. Ah ouais, Billy. Ça date de là, Billy. Tu parles plus. Ok. Attends. Non, pas par là. Cul-de-sac. Ah. Non. Vas-y. Trace plus. Là, Billy. Billy. Là. Fais trop rire. Je t'entends pas. C'est juste n'importe quoi. Tu me parles plus très bien. C'est parce que l'autre con de Popo, il t'a rien appris, ça. Eh, comment on fait ouais, pour te verrouiller? Oh, tu me diras, moi c'est ta gueule, moi c'est maman. Oh c'est la violence maman. La violence du père. Viens. L'enfant. Waouh, nouvelle intro là. L'avant-dernière intro. Et maintenant il y a la nouvelle. Et ça c'est voilà, ça c'était mon ancienne intro. C'était pas mal. Tout celui-là, tiens blabla, c'est pas le que maman soit barrée. Continue, viens Billy. Viens. En fait, dans Bonjour Daddy, il fallait trouver un moyen de se tuer en tant que bébé. Et le père devait nous empêcher de nous tuer. Non, c'est clé. Là, tu actionnes. Ah. Oh, il chie. Oh, c'est partout. C'est le sale. T'es un gros dégueulasse, gros porc. Attends, je vais bouffer sa merde. Tu actionnes ou pas, là? Billy. Oh, ça va demander 2 secondes. Oh, putain. Tu vas voir. Voilà. Viens là. Vas-y, face to face. Pas peur, moi. Regarde, t'es tellement nul, tu m'attrapes même pas. Vas-y, mon chalou, vas-y, viens. Vas-y, essaye toujours. Sinon, c'est juste, hein, je préviens, j'ai bouffé de la merde. Hein. Non. Du coup, je vois un peu tout rouge. Genre, le bébé hyper préventif, par contre, je préviens, j'ai bouffé de la merde. Donc, il est fort probable qu'il y ait une intoxication alimentaire qui débarque. Reviens, n'importe quoi. De toute façon, j'ai toujours aimé les Fast and Furious. C'est parti. Oh ah ouais, je me rappelle. Elle a pas la clé. Pourquoi ça pète pas? Laissez-moi, j'ai pas. Oh. Ah. Elle avait oublié de descendre. Oui, c'est moi qui fais le tir. Oh là là. La nuit, je l'avais déjà fait. Non, quand je le fais, ça marchait pas. Oh, il y a les débuts sur Ark. On va chercher Krakot. Il y a les débuts aussi sur Ark. Waouh.
Ah, ça, je veux voir. Les débuts sur Ark, ça devait être quelque chose. Yo tout le monde, c'est Kilira. J'espère que vous allez bien et moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu que j'avais pas encore fait. Ark. Un très bon jeu avec des dinosaures, comme on les aime. Attends, je suis à côté de quoi, là? Tu savais maintenant comme t'aimes Ark. Donc, en fait, là, il y a un... Enfin, déjà, je suis avec Anto. Comment vas-tu, Anto? Oh, très bien, toi. Magnifique arrivée, tu ne pouvais pas faire mieux. Waouh, c'était encore quand t'avais des dinos qui sortaient et qu'on était là à chaque fois, à chaque nouvelle mise à jour, à aller se faire chier, à aller tamer la créature. Le problème, c'est que moi, vu que j'ai la plateforme, à aller se farm des munes, à aller farm des ressources pour pouvoir le faire. C'était juste incroyable. C'était le tout début. Ah ouais. C'était le tout début. Drôle. On recordait pendant des heures et des heures sur Ark et pour au final, oui, bon. Pour vous, que ça soit condensé en 30 minutes, 20 minutes, je m'en rappelle, c'était des heures et des heures à attendre que le dinosaure se réveille, à attendre qu'on l'endorme, c'était hyper long. On va lui faire un petit créneau à Cracotte. C'était hyper stylé, ça date. Waouh, Mover Die, la lance secrète. The Division. Écoutez, je pense que on va s'arrêter à The Division, épisode 1, puisque... c'est à The Division que pas mal de choses ont commencé. Yo tout le monde, c'est Kilira, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui, on se retrouve pour The Division. Alors vous allez me dire, mais Kiki, t'avais des plans qu'il est sorti The Division, pourquoi tu le fais que maintenant? Et parce qu'avant je n'étais pas là, comme vous avez pu le voir dans mon ancienne vidéo où Your Daddy, je n'étais pas là, les vidéos étaient pré-record pour Walking Dead, et donc là vu que je suis de retour, que tout est bien mis, mon setup est bien installé, tout est propre, maintenant, je peux jouer et m'investir dans l'aventure The Division. Alors là, je suis émue de nouveau, ça commence à devenir donc, chiant. Très important. Je pense pas que les vidéos, elle est. Il y aura une vidéo The Division. Être émue comme ça devant les vidéos. Les 6000 abonnés. Voilà. Donc ça sera pas un let's play, ça sera une aventure suivie. C'est pour ça que je suis émue. Alors j'ai l'air con et je crois que j'ai jamais été émue devant. Dans ma chaîne. Principal, soit je peux divaguer un peu. Et du coup, mission secondaire, voilà. Donc, j'ai un peu l'air con. Suivi. Donc j'espère vraiment. J'ai un peu l'air con. J'ai l'impression que j'ai jamais été. Allez, hop, on se reprend. Qui j'ai jamais été ému durant une vidéo. Et voilà, je baisse un petit peu le son. Voilà, je m'arrête. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, les amis. On s'arrête sur l'aventure The Division. Dites-moi si vous voulez une partie 2 du coup de je regarde mes anciennes vidéos pour le coup, puisque la vidéo là j'en suis à plus de 1h30 à regarder des vidéos et j'ai toujours pas fini quoi. Je suis encore loin du truc. Et je m'arrête là, pourquoi c'est important pour moi de m'arrêter ici, je pense. Parce que The Division, c'était pour moi l'aventure qui a tout lancé. Je m'explique. On venait de passer les 6000 abonnés, c'était incroyable pour moi. 6000 abonnés, c'était inespéré, je pensais pas passer un jour le cap des 6000 abonnés. Voilà, une petite chaîne toute simple comme ça qui fait des vidéos sans rien demander à personne, je pensais pas passer le cap des 6000 abonnés. Et du coup, voilà. Et en fait, j'ai pris la décision de faire, pour fêter les 6000 abonnés, une vidéo tous les jours sur l'aventure The Division. J'étais en compagnie d'Anto et de Benjamin sur cette aventure. Et je pensais pas que ça allait autant plaire. Et c'est à partir de là que tout a décollé. Et c'est à partir de là que, voilà, que les abonnés sont arrivés, qu'il y a eu de plus en plus de vues. Voilà. C'est à partir de là que tout s'est amélioré. Et c'est pour ça que je suis un petit peu émue. Que j'ai été un peu émue en regardant ce petit passage. Parce que c'est beaucoup de souvenirs. Beaucoup de moments difficiles où on m'a dit tu y arriveras pas. De toute façon, je sais pas pourquoi tu fais ça, tu y arriveras pas. Et beaucoup de moments où j'ai voulu arrêter, mais j'ai pas lâché. Et j'ai continué. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à... Enfin, voilà. Et putain, mais... oh, Kiki, tu te reprends maintenant. C'est... Voilà, on m'a toujours dit que j'y arriverais pas, que ça ne servait à rien. Le nombre de personnes, je pense comme beaucoup, qui m'ont dit que voilà, j'étais inutile et j'en passe. J'ai mis des choses de côté pour avancer sur la chaîne. J'ai rien lâché. J'ai continué malgré des moments bien difficiles. Il y avait des moments très difficiles, des moments où j'avais envie de tout arrêter parce que je passais des heures et des heures à monter des vidéos et puis finalement, il y avait très peu de commentaires dessus, très peu de vues dessus. Je me disais, mais pourquoi? Je comprends pas une vidéo de merde que certains pourraient poster, mais même pas monter, ça va faire tant de vues et moi, je vais rien faire comme vue. Et je me rappelle que des fois, je me rappelle que j'en venais à faire des vidéos, mais genre,
en rush, j'arrêtais pas, parce que je voulais bien faire et je voulais vous garder en fait, parce que je m'étais dit maintenant que j'ai 6000 abonnés, il faut que je les garde à tout prix. Je me rappelle que j'étais comme ça, j'en venais à un point où j'étais juste, je voulais plus m'arrêter, pour moi c'était important de faire ça, il fallait pas que je relâche, voilà. J'en étais venue à un point où je voulais tout le temps travailler, parce que j'avais peur de perdre en fait les abonnés que j'avais. Sauf que j'ai mis du temps à comprendre que les abonnés, ils s'en fichent que tu fasses une vidéo tous les jours. Ils préfèrent que tu fasses une vidéo tous les deux jours, mais que tu t'éclates. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce qui était important aussi, c'était moi. Et de me dire, ne record pas tous les jours. Quand je vous disais The Division, il y avait toujours, c'était du lundi au dimanche, ça n'arrêtait pas. C'était une boucle sans fin, j'y avais pas un jour où je me reposais. Et avec le PC que j'avais, plus la connexion, ça mettait encore plus de travail en fait. Parce que tout était plus lent, donc il me fallait plus de temps. Et du coup, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que les choses me plaisent à moi, avant tout. Et après, si elles me plaisent à moi, alors c'est le principal, et après on verra si elles plaisent aux autres. Et du coup, voilà, ça m'a ému de voir ces vidéos parce que c'est le tout début. C'est genre quand Kiki, elle est toute petite. Et je me considère toujours petite. Je veux pas dire oui, je suis un monstre ou quoi que ça. Je me considère toujours petite, toujours humble. Je suis toujours la même. Mais je suis émue de voir ces vidéos parce que, voilà, tu vois que c'était le commencement. Et c'est des moments difficiles où on me disait que j'y arriverais pas et que j'arriverais à rien. Je vois beaucoup de commentaires des fois, d'ailleurs, qui font du mal. Mais moi, maintenant, je passe outre. Beaucoup de commentaires qui font « Ouais, ta chaîne, maintenant, elle a quasi 50 et qui a 46 000 abonnés. » Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, je suis quelqu'un. C'est déjà colossal d'être à quasi 46 000 d'abonnés, d'en être là où je suis. Je préfère avoir une communauté qui est là et qui ne me lâchera pas, plutôt que d'avoir énormément d'abonnés et finalement que personne ne soit là. Et je l'ai vu sur une aventure particulièrement, c'est voilà, je préfère en parler avec vous. On est vraiment aujourd'hui hyper transparent. Pour moi, j'ai fait une connerie. Une connerie, alors façon de parler, hein, j'ai fait une connerie. Hein. Un jeu que je regrette d'avoir fait sur la chaîne, c'est House Party. Vous allez me dire, mais je comprends pourquoi tu regrettes de l'avoir fait. Je regrette pas d'avoir tourné le jeu, je me suis vraiment amusée dessus. J'ai vraiment passé un bon moment. Et je pensais pas que ça allait prendre des proportions pareilles de record une vidéo comme ça. Et pour vous dire, la vidéo est quasi à 1 million. Elle est quasi à 1 million de vues, c'est la première vidéo de House Party. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et en fait, ça a apporté masse viewers et tout. Il y a énormément de monde qui est arrivé. J'ai pas compris dans ce coup ce qui se passait. Il y a énormément de personnes qui ont débarqué. Et finalement, ça m'a pas plu tant que ça. Pourquoi? Parce que finalement, j'étais bien dans mon cocon avec vous, ceux qui me suivaient depuis le début, qui me suivaient assidûment, qui commentaient. Et je me suis retrouvée, quand j'ai fait du Who's Your Daddy, à me retrouver avec des personnes qui ne me suivaient pas depuis le début, ou des personnes qui me suivaient que pour les vidéos House Party, et qui finalement passaient leur temps à dire « Non mais vas-y, faites plus de House Party, arrête de... » Ah, ça m'énervait. « Arrête de censurer la vidéo, mets des sous-titres, machin !» En fait, ils voulaient juste du contenu House Party, quoi, juste pour voir du sexe, et puis basta. Sauf que moi, c'était pas ça le concept. Moi, c'est « On passe un bon moment, on se marre, vas-y, on va faire les interactions, on va voir ce qui se passe à la fin, et on rigole. » Voilà, et au final, ça a attiré beaucoup de gens comme ça, beaucoup de gens qui ne voulaient voir que du House Party sur ma chaîne, sauf que moi, l'âme de ma chaîne, c'est pas ça. J'ai fait House Party parce que j'ai trouvé le concept rigolo. C'est pour ça que pour le moment, j'en fais plus, là, parce que ça me fait plus rigoler. Voilà, ça me fait plus rigoler. Et moi, je pars du principe que je fais des choses qui me plaisent sur la chaîne. J'en ai rien à faire. Si la vidéo ne fera que 1000 vues, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle me plaise et que quand je l'upload, je fasse... Ah putain, ouais, je suis fière. Franchement, elle est cool. Je suis contente. Voilà, moi, c'est ça qui m'importe. Pour moi, c'est ça le plus important. Alors oui, ça fait de la peine quand tu vois que des fois, certaines de tes vidéos où tu vas t'investir et passer un temps énorme, bah, t'auras pas beaucoup de vues dessus, pas beaucoup d'interactions dessus, et que par contre, une vidéo toute pérave ou un truc House Party, pas très monté ou quoi, ça va faire masse vue. Ça fait toujours de la peine. Ça fait de la peine. Mais je veux continuer. Je veux continuer dans ma lancée comme ça. Je veux que l'âme de la chaîne reste, puisque je veux pas faire des choses qui ne me plaisent pas. À partir du moment où je ferai des choses qui me plaisent plus, dans ce cas-là, c'est que la chaîne, on pourra la fermer, ça servira plus à rien. Il faut que je fasse des choses qui me plaisent, ça se voit, de toute façon, on voit dans mon comportement quand ça me plaît. Voilà, comme Jurassic World, je m'épanouis de ouf. Mes lives dessus, je m'épanouis de ouf. Voilà, je fais que des choses qui m'épanouissent, qui me font rire. À partir du moment où dans un jeu, je rigole pas, je passe pas un bon temps, ça sert à rien. Voilà. Donc, du coup, je voulais vous remercier infiniment aussi. Je crois que c'est, on en vient au moment important. Moment encore où j'en ai les larmes aux yeux, mais c'est grave, 3 fois dans la vidéo, alors que ça m'est jamais arrivé. Mais je voulais vous remercier d'être là depuis le début, dans des moments où c'était pas forcément tout simple. Ça n'a pas été toujours simple,
Voilà, ça. Voilà, je voulais remercier infiniment du fond du cœur, puisque ça n'a pas été des périodes hyper faciles pour moi, ces 4 ans. C'était des moments de doute, des moments où je voulais tout arrêter, des moments où on m'a descendu plus bas terre, en me disant tu n'y arriveras jamais, blablabla. Et aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis même à des fois à vous croiser. C'est incroyable quand je me mets à vous croiser et vous me dites ah, mais t'es Kylira machin, c'est juste incroyable. Je pensais pas en arriver là. Et je reste hyper humble. Par rapport à tout ça, je vous remercie infiniment d'avoir été aussi nombreux à me suivre sur toutes ces anciennes vidéos, et je vous remercie infiniment d'être aussi nombreux à me suivre actuellement sur la chaîne, à continuer de follow, à être aussi nombreux durant les lives pour certains soirs, à être actifs sur Twitter, peu importe, quand, dans la rue, quand vous me croisez, n'hésitez pas d'ailleurs, samedi, je serai à Japan Expo, si vous voulez me voir, au cas où, je serai là toute la journée, me faire un bisou, me dire « Ah, Kiki, t'es là !» et tout, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir de vous voir, ça me fait toujours hyper plaisir. Voilà, je suis hyper reconnaissante que... Bah, que vous soyez là, tout simplement, je suis hyper reconnaissante parce que tout ça, tout ce qui m'arrive, c'est grâce à vous. Alors, c'est toujours facile de le dire, il y en a beaucoup qui oui, vous dites c'est grâce à vous, c'est grave. Mais c'est vrai, sans les followers, sans tout ça, il y aurait des partenariats que j'aurais pas, il y aurait des jeux que j'aurais pas, il y aurait beaucoup de choses que je pourrais pas vous proposer. Et finalement, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie infiniment du fond du cœur. Vous êtes franchement des pépites, comme je vous appelle. Je vous fais à tous des très très gros bisous. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. À samedi, du coup, peut-être samedi soir. Normalement, oui, il y aura un live samedi soir. Il y aura pas de problème en rentrant de la Japan Expo. Normalement, on sera alors sur The Forest. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de toutes les vidéos qui sont suivies un petit peu sur la chaîne. Là, dites-moi un petit peu dans les commentaires, j'ai hâte. Le petit pouce bleu, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous abonnez aux réseaux sociaux. Dites-moi si vous êtes à la Japan Expo, du coup, demain. Demain ou pas. Et si vous venez à me croiser, comme je vous ai dit, on fera des photos, des bisous, des câlins. Voilà, comme je le dis tout le temps, quoi. On sera là pour discuter, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo, à samedi pour un nouveau live, peut-être à samedi pour la Japan Expo. Allez, ciao tout le monde.